En 2007, elle participe à la Nouvelle Star. Elle est éliminée en demi-finale, se classant troisième après Tigane et Julien. Julien Doré, le futur gagnant de cette édition. Elle fait donc partie du groupe qui parcourt la France lors de la tournée. Durant l'été 2007, l'année suivante, son premier album Cheyenne Song sort dans les bacs. Cet album au son pop folk est produit et composé par André Manoukian, l'un des jurés du télécrochet, qui est auteur, compositeur, arrangeur et pianiste. On y retrouve des textes de Pierre-Dominique Burgeot, Florian Gazan, Xavier Demoulin, André Manoukian, ainsi que des textes écrits par Gaëtan Seul ou co-écrits avec André Manoukian. On peut citer notamment Les Saveurs Inconnues, chanson écrite entièrement par Gaëtan. Selon une interview d'André Manoukian, cet album s'est vendu à près de 30 000 exemplaires. Après la sortie de son album, les concerts se multiplient pour Gaëtan. Au cours des années 2008 et 2009, elle passe notamment par Cannes, Nantes, Caen, Moiselle, Chantilly, le Cap d'Agde. Elle a également assuré les premières parties de l'humoriste Elie Semoun dans plusieurs villes. En 2010, elle commence à se produire avec son duo The Mello. Le 9 octobre 2012, ils sortent un EP Shelter de 5 titres disponibles en digital et dans certains points de vente. Ils se produisent dans de nombreux endroits en France. Ils s'installent en 2011 au Pays Basque entre Bidart et Guétari. Ils sortent un second EP, Mello Season, toujours autoproduit disponible en numérique et sur commande ou à la fin de leur concert. Ils se font connaître progressivement par leurs concerts dans leur région du Sud-Ouest. En 2015, ils changent de nom. Le groupe s'appellera dorénavant BONAIR.